Après sa brillante élection le 31 janvier 2015 dernier en tant que chef de village de Swahili, M. Mahi Laza a reçu la visite de l'équipe de Diaspo TV. Nos échanges ont porté sur 1. Le but de sa venue à Abidjan. 2. L'organisation de sa cérémonie d'intronisation ou d'investiture qui aura lieu le 19 septembre à Swahili. 3. La présentation du village de Swahili et la généalogie de tous les chefs de village qui l'ont précédé. 4. L'état des relations entre le village de Swahili et tous les autres villages du département de Fakoly, en particulier celui de Mahébli. 5. Les grands projets de sa chefferie pour son village. 6. Son projet pour la jeunesse. Et enfin, il a adressé un message à tous les fils et filles de Swahili, en particulier ceux de la diaspora, pour le développement de leur village. Ce reportage est signé Randolph Niou, correspondant Diaspo TV à Abidjan.
On est ici à Togo. En mer. On est ici à Bibio Blanc. On part, on est ici, on part, on est en bain. On est plus. Tout est réduit. Tout est réduit, mon âme. On a dit, je suis un clavier, je suis un clavier. Je suis un clavier. Elle doit être bouée, elle dit à moi, mais son nez. Elle dit à moi, Je suis un peu plus de temps. On tient les Karim, on a Kese Laurent, on a Francis Day. On m'a trouvé sous-maire, on m'a trouvé. On a réuni, on est bien, on tient, on a qu'à pour la paix de mon nez. Karim m'a trouvé, n'est-ce pas? On veut blâmer. Après, on a un sous-maire. Sous-maire, on a un peu de mal. Mais il y a un peu de mal. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a une maternité pour eux.
Ni akane lo en ti ayi ne se an so wa mai yi te
Do you have a
Ça, c'est l'emploi. Je me nomme Touapo Anthony Kandebukwa. Ce que je me permets de résumer pour que tous ceux qui ne comprennent pas la langue locale du chef puissent être aussi témoins de cet événement. Alors, il s'agit pour notre chef élu depuis le 31 janvier de passer à la phase d'intronisation qui est prévue pour le 19 septembre. Et depuis son élection, c'est la première fois qu'il arrive à Abidjan. Et il profite pour demander, d'abord pour dire merci à tous les ressortissants de Soumaé à Abidjan, aussi tous ses fils et filles de la diaspora. C'est un événement majeur qu'il prépare parce qu'il s'agira d'être soutenu. Et le chef dit qu'en pareille circonstance, il n'y a que l'union, la cohésion qui puisse lui permettre de réaliser ses projets. Le premier pas, c'est que Soumaé Souébli était d'abord un petit campement. Et de ces lieux de campement, nous sommes arrivés aujourd'hui à l'actuel village dont il est le 7e chef. Et aujourd'hui, ses ambitions pour son village, c'est de voir Soumaé être doté d'une maternité, parce que, à l'entendre, selon nos traditions, un homme ne participe pas, n'assiste pas à la femme quand elle accouche. C'est ce qui est la réalité actuelle. Et le chef aurait souhaité qu'il y ait une maternité ou qu'il y ait une sage-femme dans ces villages qui puisse désormais s'occuper des problèmes liés à la femme. Le deuxième point, Souébli a été l'un des villages à être électrifié. Et depuis un certain moment, les poteaux électriques sont sans lumière. Donc Soumaé est plongé dans le noir. Dans son deuxième projet, il s'agira pour lui, en commun accord avec la solidarité de ses fils d'ici et de la diaspora, de faire en sorte que Soumaé devienne la lumière de Fakoly. Que la lumière revienne dans toutes les rues, que la lumière soit partout à Soumaé. Le troisième point qu'il aborde, nous sommes non loin de Fakoly, qui est le chef-lieu de département. Et donc, Soumaé se trouve obligé d'adopter le projet de la modernisation. Donc, dans ce projet, au troisième point, le chef veut se donner les moyens de faire l'extension du village pour que Souébli devienne une cité moderne. Une cité moderne. En plus, il ne peut réaliser ses projets tout seul. Il ne peut le réaliser que s'il est soutenu. C'est pour cela, à travers Diaspora TV, il invite tous les fils de Souébli, de Maïbli, qui sont à Abidjan, qui sont en Europe, partout dans le monde, tous ceux qui le reconnaîtront à travers cette interview, d'apporter leur solidarité, d'apporter leur aide, d'apporter leur soutien pour que ces projets puissent être effectivement réalisés. Tout développement s'appuie sur la jeunesse. Et le chef a une jeunesse dynamique qu'il compte organiser à travers des activités qui pourront lui permettre de s'auto-gérer, de s'auto-suffire. Il y a à Soumaé la riziculture qui n'est pas très développée et qu'il souhaite prendre en compte comme projet d'appui
au développement, à l'épanouissement de la jeunesse. Il compte organiser cette jeunesse à travers des activités telles que le retour à la terre pour ceux qui veulent faire la cacaoculture, parce que notre terre aujourd'hui est propice à cette culture. Donc le chef compte organiser sa jeunesse pour rendre efficace ce secteur. Et il souhaite aussi qu'à Soumaé, il y ait un centre culturel pour sa jeunesse. Mais tout cela ne peut être fait que si sa voix est portée très loin et si sa voix est entendue par ses fils et ses petits-fils. C'est pour cela qu'il lance un appel à la diaspora, il lance un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent l'aider un temps soit peu à rendre effective ses projets, de ne pas hésiter et de le faire, parce que Souabi, à proximité de Fakoubli, doit répondre aux besoins d'une ville moderne, donc d'un village qui a l'allure d'une ville. Et en tant que chef, il ne peut le faire s'il n'est soutenu. C'est pour cela qu'il lance un vibrant appel à tous ceux qui sont ici et ailleurs de contribuer à la réalisation de ces différents objectifs. Particulièrement à la population d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, à la diaspora, sa fête du 19 ne peut avoir de sens que si ses enfants sont avec lui. Sa fête ne peut être effective que si chacun apporte sa contribution à l'effort qu'il est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il vous exhorte à chacun à mobiliser des ressources de toute nature pour venir en aide à l'organisation de cette cérémonie. Mais qui parle de cérémonie parle des hommes. Cette cérémonie a pour président, a un comité d'organisation dont le président, évidemment, est le président de la mutuelle de Soumaé en la personne de Gabi, donc Tikoura Patrice, comme on l'appelle. Ben, une fête demande aussi d'autres ressources. C'est en cela qu'il a contacté son jeune fils, en la personne d'Eliane Poté, qui a accepté d'être le président d'honneur de cette cérémonie. Et cette cérémonie aura pour parrain Martial Gossio, qui est un fils de la région, qui a accepté d'accompagner le chef du village dans sa marche vers le développement souhaité à Souabi. Il profite de l'occasion que lui offre Diaspora TV pour dire merci à toutes ces volontés qui se sont mobilisées, qui sont en train de se mobiliser, de continuer davantage dans cet élan pour que au soir du 19 septembre à Souabi, qu'on dise que nous avons assisté à un événement particulier, à un événement pathétique, grâce à votre collaboration, grâce à vos soutiens. Sur ce, le chef me charge de dire merci à Diaspora TV qui, au-delà des limites de la Côte d'Ivoire, vont emmener ces images à travers le monde. Et donc, le monde n'est plus un village, il est devenu une planète et Soumaé se verra dans cette planète grâce à TV Diaspora. Je voudrais, au nom du chef, vous dire merci. Et dire merci à toutes ces bonnes volontés qui coopèrent pour le succès de Soumaé. Merci.